Mes chers frères amis dans le Seigneur, amis auditeurs, auditrices, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Moi salut chers amis internautes qui attendent à travers les ondes, quel que soit côté que vous êtes sous plateforme ça, ou du moins sous planète ça, que la main puissante de Dieu soit sur vous. Dans le ça, nous-mêmes nous passons well à travers les ondes, et ou même qui toujours suivent nous sous page ça, et nous invitons à rester branchés avec nous pendant que nous allons partager quelques mots d'encouragement avec vous concernant la Bible. Et quelques mots qui sont capables d'aider dans la ligne que vous avez pour connaître le vrai chemin, qui est la vérité et la vie. Mais pour recevoir le vrai chemin, ça, il suffit que vous ayez la foi qui assure. Eh bien, matin ou du moins après-midi, la nuit, quel que soit l'heure que le Seigneur a bon possibilité pour tendre nous, eh bien, restez branchés avec nous. Comment que nous pourrons partager quelques sortes de foi qui existaient hein, dans la vie de l'homme? Eh bien, nous sommes capables de dire et nous pourrons lire un texte, n'a plus quelques grands versets, mais n'a plus pour des mots d'encouragement yo, à travers des références qui sont vraiment différentes. Si nous avons un sujet ou du moins sur une toile de fond que nous avons débattu avec vous dans le Sahara, lycée et nature de la foi. Nature de la foi. Donc, nous sommes capables de et dans le livre Romains, chapitre 12, le verset 3, nous distinguons trois sortes de foi qui existent. Nous avons la foi naturelle, nous avons la foi spirituelle et nous avons la foi surnaturelle. Eh bien, après que vous finissez un type de foi, ça yo, vous êtes capable les ennemis de la foi. Eh bien, si vous avez un monde qui est bien avec vous, vous avez un monde qui est ennemi. Eh bien, ennemi de la foi, nous prenons yo qui c'est la paresse, qui c'est la peur. Eh bien, restez branchés avec nous pendant que nous avancé quelques mots d'encouragement pour vous sur page ça. Mais nous t'arrêtons de faire une courte lecture pour vous. C'est dans le livre Psaume pour nous voir le grand efficacité de Dieu dans la vie de l'homme. Bon Dieu tout bon. Et c'est dans le livre Psaume et 115. On a pris quelques grands versets avant que nous entrions dans le sujet exactement. Nous voyons, texte ça peut expliquer nous comment bon Dieu lui-même lui bon dans la vie, moi-même ensemble avec vous. Il dit dans le verset 1er, non, louange pas pour nous, c'est pour Seigneur. C'est pas pour nous, louange l'anye, c'est Seigneur. C'est pas pour nous, mais c'est pour Seigneur allié, il pas pour nous. Parce que, ou remet nous, parce que, ou toujours qui aime parole. Eh bien, nous, les Seigneurs, toujours, et gagnent, et fidélité envers moi-même, ensemble avec vous, les qui aime parole envers nous. Eh bien, ou même qui a conviction, ou praloué efficacité de Dieu dans la vie moi-même ensemble avec vous. Ça veut dire, Dieu toujours qu'aime promesse li pour la exiger nous. Comment nous devons qu'aimer la foi? Comment pour ne pas quitter et ennemi la foi yo prend pied sous nous? Eh bien, nous, comment que Dieu lui-même, lui t'a poussé et parole ça, hein? Ensemble avec yon force pour la di, l'on mande ou ap jouin, l'on cherche ou ap trouve, l'on rele yap repon nou. Nou e vem sa ou yon même yap conjugué ensemble avec impératif. Ça me dit, si yon pa yon conviction, eh bien ou pas capable. Faut yon conviction qui fixe envers Dieu pour que ou capable suivre l'ISA. Donc, mes chers amis dans le Seigneur, nous, texte a expliqué nous, louange yon pas pour nous. C'est pour les seigneurs que louange joyer. Mais comme que nous t'ai dit, nous pour aller dans livre Romains chapitre 12 le verset 3 et qui a fait nous trois sortes de foi qui existaient, qui c'est la foi naturelle ou du moins qui c'est la foi et la foi naturelle, la foi spirituelle et la foi surnaturelle. Eh bien, nous constatons que Jésus-Christ après la résurrection
Eh bien, il t'a fait 11 disciples ouais lui. Eh bien, côté que il t'a enseigné, on capable ouais texte ça avec nous. C'est d'abord référence mais nous pas qui t'a parlé tout et concernant texte. Et nous Jésus-Christ t'a parlé ensemble avec 11 disciples dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20, dans Actes des Apôtres, le verset 1er jusqu'au verset 6 et à 8. Et puis nous dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 20 et le verset 19 jusqu'au verset 23, l'évangile selon Saint Luc chapitre 24 le verset 36 jusqu'au verset 49. Donc Jésus t'a parlé ensemble avec les 11 disciples, mais les nous allons dans le livre Marc chapitre 16 le verset 16. Nous un texte ça explique nous moun ki kwè et puis qui recevra baptême là. Et yo même yo va délivrer, mais moun ki pa kwè ki sa yo même y a bien comme récompense, y a condamné. Et bien ou même ki pa dan mais passer dans condamnation ça, ou choisi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel ou, et bien après que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, ou doit baptiser pour kwè dans Jésus-Christ. Ou va sauver et ou va sauver pour la vie éternelle. Ça veut dire nous est foi ça son foi naturelle. C'est Jésus-Christ même qui t'a déclaré parole ça pendant qu'il dit rencontre ensemble avec les 11 disciples. Le sujet que moi dit on aller dans l'évangile selon Saint Marc chapitre 16 le verset 1er à continuer mais nous prend verset 16 là. Et Jésus-Christ t'a rencontré ensemble avec 11 disciples après la résurrection, il t'a enseigné yo, il t'a exhorté yo pour la dire monde qui croit yo et nous va baptiser yo. Et puis on va sauver moun ki pa kwè yo, yo va condamner. Ça son sorte de foi naturelle parce que nous té wè Jésus, nous té ka branye Jésus, nous té ka touche Jésus. C'est une foi naturelle. Mais là que nous parler de la foi spirituelle comme nous té di et n'a trouvé trois sortes de foi qui existent dans le livre Romains chapitre 12 le verset 3. Eh bien nous wè et deuxième foi que c'est foi spirituel, c'est là que on a assurance et sous un bagage que on pas ouais qui existait. Ça veut dire que nous même Jésus-Christ t'est avancé puis devant dans livre Matthieu chapitre 14 le verset 13 jusqu'au verset 21, dans Marc chapitre 6 le verset 30 à 44, l'évangile selon Saint Luc et le verset 9. Et l'évangile selon Saint Luc chapitre 9 le verset 10 jusqu'au verset 17, côté que et là aller dans Jean chapitre 6 le verset 63, comment lui même Jésus-Christ il t'a baillé disciples manger hein, les Jésus t'a baillé 5000 monde manger. Et bien nous ouais texte ça a expliquer nous comment yon monde qui gagne la foi spirituelle, qui croit Dieu exister, qui croit efficacité de Dieu, qui côté moun sa arrivé et qui ça va faire comme profit. Eh bien, on capable ensemble avec sept types, le Seigneur Jésus-Christ ensemble avec sept types, le Seigneur Jésus-Christ bail 5000 moun manger. Ça veut dire yo mange vente plein, vente de boutonné jusqu'à ce que yo même yo retourne la caillou. Eh bien, nous est efficacité de Dieu, parole qui bail la vie qui pas jamais fini hein, d'après livre Jean chapitre 6 le verset 63, sujet ça Noël, hein, c'est l'esprit qui bail la vie hein, parole qui bail la vie qui pas jamais fini hein, il parle que l'esprit bon Dieu qui pas jamais fini hein, parce que nous-mêmes la vie nous pas voyer. Eh, yo pa voyé. Moi dis nous yo sorti dans l'esprit bon Dieu qui bail la vie. Ça et tout ça ou est qui existait dans la rue, c'est dans l'esprit bon Dieu sorti, yo pas sorti dans l'esprit l'homme. Eh bien, mes chers amis dans le Seigneur, ça fait comprendre ou même qui dans yon souffrance, on doit utiliser la foi spirituelle. Pour utiliser la foi spirituelle, c'est lorsque ou choisit gain le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Ou choisit gain Jésus-Christ comme assurance ou on choisit Jésus-Christ comme source consolateur. Donc, c'est lui-même qui est capable de consoler dans tout ça qui ou même avant durer. Eh bien, nous ouais, troisième type de force de la foi qui existait hein, c'est le que ou aller dans l'évangile selon Saint Marc chapitre 11 le verset 22. Nous ouais, connaît que lui-même Jésus-Christ a parlé avec Pierre France qui te fait chercher là. Eh bien, l'étape, moi dis l'étape, rendre sentence sous lui. Eh bien,
Nous, laisse à Jésus lui prendre la parole, lui dit, et c'est pour toujours de confiance dans mon Dieu. Et ça, ou est-ce une sorte de foi surnaturelle? Ça veut dire, Dieu a parlé, Jésus-Christ a parlé pour la dire, nous devons gagner la foi dans mon Dieu. Côté la foi. Eh bien, l'on est dans l'hébreu. Qui ça texte là-dedans? La foi, c'est une ferme assurée des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, nous, Jésus-Christ a parlé pour la dire, nous devons gagner confiance et assurance la foi dans mon Dieu. Et puis, pour nous capables de recevoir la vie, ça veut dire, si que ou pas gagne la foi, je vais faire recevoir la vie. On parle de bon Dieu. Eh bien, c'est une assurance pour gagner, pour dire oui. Si je demande, ma joine, si je frappe à pour moi, si je relève à répondre moi, ça, il faut que conviction. Eh bien, c'est ça qui fait que nous te disons, verbe ça y a conjugué à l'impératif là. Parce que si vous n'avez pas conviction, ou pas capable de recevoir. Si vous avez un esprit d'outance, ou pas capable de recevoir. Eh bien, nous, ou devons quitter trois sortes de foi. Ça va manifester dans la vie, c'est la foi naturelle. Et si vous avez un carreau, vous avez touché, vous dites, ah bon, je vais faire un caille. Eh bien, vous avez la foi, vous avez acheté un caille, vous avez acheté un caille, vous avez acheté un caille, vous avez acheté une machine, vous avez acheté une machine, vous avez acheté un caille. Ça, c'est la foi naturelle, vous avez acheté un caille, vous avez touché. Mais on la foi spirituelle, c'est la foi qui assure convenablement avec Dieu, le grand créateur, architecte de l'univers. Eh bien, lorsqu'on parle de la foi surnaturelle, c'est la qui dit, ah, moi j'ai la foi dans Jésus-Christ, mais moi pas ouais Jésus-Christ. Moi connais Dieu, Jésus-Christ existait, moi connais puissance lio, toujours là pour agir, pour aider dans quelle que soit souffrance ou du moins circonstance que moi-même moi trouvé. Donc, mais je prends amis dans le Seigneur, nous si que vous avez toute la foi, vous capable de river, progresser avec vie par vous-même personnellement. Mais il y a plusieurs types sortes et d'ennemis de la foi. Les que nous allons dans le livre Proverbe, chapitre 21, le verset 25, et nous dans le livre Proverbe, chapitre 10, le verset 4. Nous capables et ennemi de la foi qui c'est la paresse. Ça veut dire les qui ont gagné la paresse ou pas travail ou pas faire rien. Si vous avez le texte pour vous, et bien là le Proverbe chapitre 21 le verset 27, il dit paresse pas envie lever ni loup ni léger, c'est ça qui touille. Aïe aïe aïe. Les qui ont paresse, ou pas lever ou pas lever léger, laisse ça, ou pas capable vivre, ou pas capable manger, ou pas capable réussir parce qu'on pas veut travailler. Et bien vous devez gagner la foi pendant que vous gagnez la foi, vous devez travailler. Ça veut dire pour que vous évitez ennemi la foi ça yo, c'est pour que vous choisissez rester sous la soumission de Dieu pour que Dieu agisse et manifeste sa puissance envers vous. Mes chers amis dans le Seigneur, nous dans et Proverbe chapitre 10, le verset 4, li dit paresseur li fait ou pauvre, mais l'autre travail dit li fait riche. Ça veut dire ou me qui veut riche, ou me qui veut recevoir la vie, faut qu'on travaille. Eh bien, nous, apôtre Paul t'a parlé avec Timothée, dans le verset 2, Timothée, chapitre 1, le verset 7, pour l'âme dit Timothée, parce que l'Esprit bon Dieu, lui-même, lui-même nous force, lui pas fait nous honte monde. Au contraire, l'Esprit bon Dieu, lui-même nous force, remet à pouvoir pour nous contrôler tête, nous. Débouguer la foi, ou toujours contrôler tête, ou toujours connaître l'existence de Dieu, ou toujours connaître l'efficacité de Dieu. Eh bien, laisse ça, ou prêter jusqu'à ce que lui-même, Christ, lui fait ça que lui-même, lui fait pour le faire pour vous. Mes chers frères amis dans le Seigneur, c'est un petit conseil que nous t'ai pour vous. Ou même qui t'attendez nous. Tendez nous sur page ça. Partagez, abonnez, commentez. Et puis pour nous faire l'évangile de Jésus-Christ là, livrez plus loin. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu accompagne vous. C'est des amis ou pas dans le Seigneur, fils et Muriel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Shalom, shalom. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour l'existence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Nous soutenons en pression grâce. Et que c'est une grâce que nous-mêmes ne pas mériter. Merci cet esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. M'attendons à patience Seigneur. M'attendons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. M'attendons à confiance et à patience.